I'll be your lifeline tonight. I won't let go. Ça fait trop chaud. Hey! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire dans l'originalité aujourd'hui, puisqu'on va faire des tests de personnalité sur OpenAsk pour tester ma personnalité. J'ai déjà tourné cette vidéo une fois la semaine dernière, sauf que le résultat me plaît pas, la lumière est toute pourrie, ma tête est toute pourrie. J'espère que cette fois ça me plaira, parce que j'en ai marre de toujours refaire mes vidéos, c'est chiant. Bref, en tout cas, aujourd'hui, la vidéo est placée sous le signe de l'amour. Parce que oui, je suis un peu maso, donc voilà, j'avais envie de me faire du mal. Puisque comme tout le monde le sait, je suis absolument célibataire à 100%. Et ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne sais pas pourquoi. Dites-moi, je ne comprends pas. Mais c'est ce qu'on va essayer de savoir tout de suite. Déjà, faut que j'arrive à faire marcher la capture d'écran vidéo. Et après, ça devrait être pas mal. Du coup, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Et je vais me décaler parce que je suis une fille organisée. Comme ça, vous aurez la petite capture d'écran juste ici. C'est trop chaud. Je viens de tuer tout le mythe. Oui. C'est même pas un pyjama. C'est juste un legging qui était à ma maman, qui date des années 80. Et voilà, moi j'aime bien. Ça donne un petit look rétro. Ok, mes petits loups, on y va. Alors on va commencer avec à quel point séduisez-vous. Et peut-être que ça m'indiquera pourquoi je ne pécho pas en ce moment. C'est le néant en ce moment, voilà. Oui, je fais le test. J'ai fait tomber le sopalin. Quand j'entre dans une pièce, j'aime bien qu'on me regarde. Je passe souvent inaperçu, on me regarde parfois. Je dirais on me regarde parfois. Sans aucune prétention. Mes tenues vestimentaires, je les choisis avec soin. Je suis addict à la mode. No. Je n'aime pas dépenser trop d'argent. Un petit peu quand même. Donc je dirais, je les choisis avec soin parce que j'aime toujours bien avoir un petit style. J'aime bien, tu vois. J'aime bien les fringues, mais genre, je vais pas passer 3 heures en mode. Oh my god, j'ai tellement de choses dans mon placard. Putain, j'ai plus rien à mettre. Mes ex. Je ne sens pas du tout les réponses qui vont venir. Ok. Je les revois, j'y pense encore avec énervement ou tristesse. Je ne veux plus en entendre parler. Admettons un ex genre avec qui t'as eu des relations charnelles, protégées évidemment. Quand je lui parlerai, genre j'aurai l'impression de le voir tout nu. Genre ce serait bizarre. Je ne veux plus en entendre parler, mais je peux pas m'empêcher d'en parler avec énervement, pas avec tristesse, avec énervement. Parce que moi j'ai la haine très très souvent. Parce que moi en matière d'ex, en matière d'âme amoureuse, je suis absolument très très rancunière. Donc je dirais que la meilleure expression qui me va au niveau des ex, ce serait qui s'y frotte, s'y pique. Ça devient gênant, la 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 la. Ça devient gênant, la 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 la. Généralement on aime mon sourire, ma silhouette, ma gentillesse. Je dirais... ma silhouette, parce que j'ai un sourire très moche et en général on me dit genre, des fois on dirait je suis méchante, mais c'est pas vrai, je suis juste très très ironique, je suis très très sarcastique, je suis très très caustique, voilà c'est ça, j'ai un humour caustique et peu de gens le comprennent malheureusement, et à mon grand désespoir, à mon grand désavantage. Quand je me regarde dans la glace, je me trouve plus belle que la moyenne, bien sûr, oui, je me trouve pas trop moche, je déteste mes défauts. Étant donné que la plupart de mes, pardon je me mets à l'aise, hein. Étant donné que la plupart de mes défauts sont sur mon corps, je trouve, et ben je dirais je me trouve pas trop moche, genre ça va, tu vois, genre il y a beaucoup mieux mais ça passe, je suis pas de ton of the world. Je suis désolée, je m'installe là, j'ai mal aux jambes. Debout j'ai souvent les bras croisés, les mains sur les hanches. Pose tes mains sur mes hanches, cet air furibond, oui tu l'auras ta revanche, ce sera ma dernière chanson. Ou les mains qui bougent, je parle avec. Les mains qui bougent, je parle avec sans hésiter parce que je fais toujours, genre quand je parle, je fais toujours des gestes avec mes mains. D'ailleurs, quand je passe des oraux en cours, c'est toujours ce que me disent les profs. Genre moi, c'est voilà, tu vois, je prends de la place, mon gueux. Mon gueux, bien sûr, mon gueux. Mon gueux, gros de froid dans mes rails. On poste sur Facebook une vilaine photo de moi. Pff, ça me fait rire, pourquoi se prendre la tête? Par contre, il y en a certaines, no way, les amis. Non. Je pense notamment à Léa, j'ai une photo de moi. Je venais de me réveiller de ma sieste, j'avais les cheveux comme as, j'étais en mode comme as, j'étais comme ça et voilà. Elle ne peut pas s'empêcher de la montrer à tout le monde, c'est génial. Résultat, Charline est très séduisante naturellement. Alors dis-moi pourquoi je suis célibataire? Dis-moi. Pas besoin d'en faire des tonnes, de passer des heures à utiliser des artifices pour séduire. Charline a un charme fou naturel, hypnotise. Autant te dire qu'en ce moment j'hypnotise pas grand monde. Et c'est cet amour, ces interrelations. Hein ? Qui crée du lien et... J'ai pas compris la phrase, mais apparemment je suis séduisante.
Ok, si tu le dis, OpenAsk, si tu le dis. Mais moi, c'est fou, genre, je pourrais vraiment passer ma vie, genre, sur OpenAsk à faire que des tests, souvent de love, parce que j'aime bien me faire mal, tu vois. On va se remettre dans l'axe. Let me love you. Let me love you. Combien de temps faut-il pour vous aimer? J'espère que c'est pas trop longtemps, parce que les mecs d'aujourd'hui, ils sont de moins en moins patients, hein. Dans une relation, j'ai plutôt peur de m'emballer, d'être trahie ou de décevoir. De m'emballer, parce que j'ai tendance à m'emballer plutôt trop rapidement des fois et c'est un petit peu problématique. Enfin, pour moi, genre, c'est problématique. Face aux inconnus, je rougis facilement, je reste sur mes gardes, je reste souriant. Je dirais, je reste sur mes gardes parce que je suis toujours assez méfiante avec les gens que je connais pas. Genre, est-ce que tu vas me le mettre à l'envers? N'essaie même pas, mon gars. Si j'étais un animal de la jungle, un ours, une panthère, un éléphant. Une panthère, parce que je suis sauvage, voyez-vous. Bon, après, un ours, c'est cool aussi, parce que, genre, j'aime bien dormir, tu vois. Mais non, je dirais une panthère. Ouais, j'aime bien le concept. Je suis plutôt intuitive, émotive, cérébrale. Je dirais cérébrale. J'ai réfléchi beaucoup, beaucoup trop. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop. Je suis aussi très émotive, mais bon, ce qui guide mes choix, c'est vraiment mon cerveau. Je pense tout le temps. J'adore les livres ou les films qui me surprennent, qui me remettent en question, qui me font rire ou pleurer. Qui me font rire ou pleurer, étant donné que je pleure absolument devant tous les films et les séries et les dessins animés. Et je pleure tout le temps. En fait, et des fois, je pleure de rire, c'est génial. La combinaison des deux, c'est génial, les émotions. Voilà, on adore, merci. La formule magique de mon cœur. Pourquoi j'ai fait ce vieil accent? Je ne sais pas, mais je reste plantée là. Apprivoise-moi, mérite-moi, ne triche pas. Ne triche pas, parce que j'en ai marre de ces gars qui se font passer pour des gens qu'ils ne sont pas. On sent que j'ai été blessée dans mon petit cœur par le passé. Ne triche pas, ne triche pas, ne triche jamais. Un instant suffit pour aimer Charline. Oh, c'est trop mignon! Mais on peut se tromper! Merci OpenAsk, tu viens de faire envoler tous mes espoirs. Dès le premier contact, on la trouve chaleureuse et souriante. Charline s'ouvre très rapidement aux autres, mais à moitié seulement. Pour ouvrir véritablement les portes de son cœur, il faudra le mériter ou être très patient. Pour que je t'accorde toute ma confiance, va falloir que tu rames un petit peu. On va terminer avec un truc un petit peu plus fun. Combien de temps survivriez-vous dans un film d'horreur? Ça va détendre un peu l'atmosphère. Sachant que moi je déteste absolument les films d'horreur, vraiment, mais je déteste ça. J'en regarde jamais parce que déjà rien que devant Teen Wolf, les gars, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis cachée derrière moi-même, c'est insupportable, genre, je suis une grosse tapette. Pour vous dire, quand je suis allée au ciné pour voir The Shallows, donc Instinct de survie avec Blake Lively, j'y étais avec Pauline et puis avec une autre copine à moi. Avec Pauline, genre, on se tenait la main, on se tenait le t-shirt comme ça et on était toutes les deux comme ça et on flippait trop. Et il y a un moment, on se demande quand est-ce que le requin va surgir, tu vois. Et là, il y a un moment, il y a un truc qui surgit de l'eau, on a cru qu'il allait mordre la personnage et du coup, il fait comme ça. Et là, toutes les deux, on a poussé un petit cri et en fait, c'était un dauphin. Voilà, c'est notre degré de flipperie, mais plutôt extrême. Mes amis et moi dormons dans un chalet dans la forêt, on découvre une cave qui n'a pas de lumière. Ça ne me rassure pas. La 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 la. Je me cache dans un placard pendant que d'autres y vont, j'empêche tout le monde de descendre, je vais voir ce qu'il y a dedans. Je me cache dans un placard pendant que... Non. Si, je me cache dans un placard pendant que d'autres y vont. Je les laisse se démerder avec ça, si j'entends des cris, eh ben je me pisse dessus. Mon chéri se fait attaquer par un zombie. Je me jette sans réfléchir sur le monstre pour le sauver. Je laisse quelqu'un d'autre le sauver. Je pars en courant, je suis terrorisée. Désolée chérie, mais là, je crois que je vais laisser quelqu'un d'autre te sauver. Hein? Je t'aimais bien, mais bon, voilà, c'est pas non plus le grand amour, ça va. La meilleure arme pour se défendre face à des monstres. Un sabre, la course à pied, un pistolet. Un sabre, franchement, tu le coupes, tu le plantes si c'est un mort-vivant, genre, qui en a à foutre, le gars. Un pistolet, du coup, c'est pareil. Donc, je dirais la course à pied, voilà. Un vampire meurt s'il mange de l'ail, si on lui enfonce un pieu dans le cœur, si on lui écrase un crucifix sur la tête. Je dirais si on lui enfonce un pieu dans le cœur, je pense. Moi, je vous explique, en fait, j'ai regardé les Twilight que cet été-là. Avant, je les avais jamais regardées. Parce que le petit Robert là, il me fait trop peur moi en vampire. Et puis bon, après je me suis dit, t'inquiète, il y a Taylor, et Taylor Lautner en loup-garou et tout. Non mais genre, il est trop genre, Taylor, ah, ah. Par contre, va falloir reprendre l'entraînement mon coco hein, pour retrouver tes abdos. Bref, donc le monstre est à terre et ne bouge plus.
Ça sent le piège. Je m'approche pour vérifier qu'il est bien mort. Je lui tire plusieurs fois dessus de loin et je pars. Je pars immédiatement en courant. Étant donné que dans les films, à chaque fois que les gars ils vont vérifier pour voir si le truc est mort, le machin, et ben il leur chope le pied ou il leur chope le bras, genre il fait... Donc non, ça me fait trop peur. Donc moi je dirais, je lui tire plusieurs fois dessus de loin et puis je me casse. Très vite, très vite. Je dois absolument traverser une maison qui a... tout d'un manoir hanté. Est-ce que je vous dis que j'étais absolument trop flippée dans la maison hantée à Disneyland? Je me disais, putain, s'il y a quelqu'un qui arrive derrière moi, je te jure que je me pisse dessus. Voilà, la flippette. Putain, c'est un truc de malade, là. Rien qu'en lisant les questions, j'ai la chair de poule, c'est horrible. J'avance dans le noir et je crie pour prévenir de ma présence. Non, il ne faut jamais faire ça. J'avance dans le noir le plus silencieusement possible. Non, ça me laisserait trop de suspense, donc j'allume la lumière pour voir les éventuels ennemis. J'entends un bruit de pas à l'étage alors que je suis seule. Oh my god. J'appelle la police, je vais voir ce que c'est. Non, il ne faut pas faire ça. Ou je m'enfuis. Moi, je m'enfuis et j'appelle la police. La police. Dans un film d'horreur, Charlene serait la dernière survivante. Yeah. Qu'est-ce que tu fais? Charlene est parfaitement calée en technique de survie grâce à sa culture en film d'horreur. Absolument pas openasque, je n'ai jamais regardé un film d'horreur en vrai. Les seuls films d'horreur que j'ai vus c'était les Saw, et encore ça c'est des films gore, c'est pas vraiment de l'horreur je crois. Vouloir sauver les autres c'est le plus souvent ce qui nous condamne à une mort atroce et inévitable. Il est vrai que je suis absolument très égoïste, et si j'ai réussi c'est surtout pas par rapport à ma culture, mais parce que je suis une grosse flippette. Voilà, tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous auriez un peu rigolé avec moi, et puis bah voilà, si vous aviez envie de me mettre les résultats de vos tests, genre si vous les avez déjà faits, en commentaire, bah surtout dites-le moi, parce que moi je trouve ça toujours assez marrant, tu vois. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme d'habitude, donc Twitter, Instagram, Snapchat. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi ça m'a trop plu de faire cette vidéo. En tout cas, quel genre de test vous voudriez que je fasse, ou si vous avez des liens de tests et tout ça que vous voudriez que je fasse en vidéo, mettez-les moi en commentaire, parce que moi je trouve ça toujours assez rigolo, vois-tu. Du coup, bah écoutez, moi je vous laisse là. Et puis je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao. Justin Bieber, Justin Bieber, Justin Bieber, Justin Bieber, Justin Bieber, Justin Bieber, Bieber, Justin Bieber, Bieber, Justin Bieber, Bieber. Can we keep being old company?